Listopad est une tablette tactile qui offre une nouvelle expérience de visite immersive pour les monuments et les musées. Son principe de fonctionnement repose sur l'interactivité, la reconstruction virtuelle et la réalité augmentée. Développé par Normandie Productions, Listopad a été récemment installé au château Guillaume le Conquérant, à Falaise, en Normandie. Tous les visiteurs qui pénètrent dans cette impressionnante forteresse médiévale reçoivent un Listopad pour vivre une expérience de visite inoubliable dans chacune des salles du château. Listopad permet d'ouvrir des portes du temps et de plonger dans les lieux reconstitués au XIIe siècle. Puis, en pointant la tablette dans toutes les directions, le visiteur peut voir l'ensemble de la pièce comme s'il s'agissait d'une fenêtre ouverte sur le passé et comparer la reconstitution digitale avec l'existant. En explorant la salle virtuelle sous tous les angles, le visiteur peut également en apprendre davantage en interagissant avec les éléments qui composent le décor. L'authenticité de toutes les salles et objets reconstitués a été validée par un comité scientifique constitué d'experts désignés par le château Guillaume le Conquérant. De courtes légendes s'affichent et expliquent tel ou tel détail situé dans la pièce. En outre, les visiteurs peuvent découvrir en plein écran des fresques murales, du mobilier et des objets de la vie quotidienne. Une chasse au trésor permet de captiver les enfants et de leur faire gagner des récompenses. Listopad redonne vie aux collections du musée et raconte leur histoire. L'histoire et le divertissement se rejoignent pour plonger les visiteurs dans une aventure ludique nouvelle. Les résultats de Listopad ont dépassé toutes les attentes. La fréquentation du château Guillaume le Conquérant a augmenté en effet de manière significative et recueille un excellent accueil du grand public, comme en témoignent les sites web touristiques et le livre d'or du château. Normandie Productions développe actuellement des listopads pour plusieurs sites historiques majeurs, incluant des fonctionnalités supplémentaires, en particulier sur les réseaux sociaux.